Bonsoir. J'ai pas filmé aujourd'hui en train de parler. C'est donc normalement la première chose que vous voyez. J'ai filmé un petit peu, mais comme on était, comment dire, assez occupé aujourd'hui, on est rentré en France. On est passé à Genève avant, on est resté quelques heures. Wilson, tu prends toute la caméra. On est resté quelques heures, du coup, pour visiter un petit peu la ville comme ça avant de partir. Mais donc déjà il faisait moins 8000 à peu près, et en plus on avait à peu près 8000 kilos de bagages. Enfin, on avait les deux, enfin un grand sac, une valise, deux sacs à dos, des sacs sur le côté, enfin c'était la merde. Les blousons, les écharpes et tous les pulls, machin, enfin insupportable. Vous savez quand vous êtes super encombré et emmitouflé, que vous avez chaud, vous avez, enfin bref, c'était chiant. Je voulais pas en plus sortir la caméra et oh là là, relou. Donc bon, j'ai filmé ce que je pouvais filmer. Du coup le matin on est allé, donc le matin si je me souviens bien, on est allé au McDo du coup de ta ville pour voir si c'était mieux. Apparemment le McDo en Suisse est meilleur que le McDo français. C'est à peu près pareil, juste qu'un menu coûtait 14 francs, voilà. Donc c'est quand même, bon, j'ai trouvé que c'était à peu près pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on est parti direct, direction Genève. Donc on a pris encore 150 trains, voilà, il faisait froid, il faisait vraiment putain de froid, on avait plein d'affaires, heureusement il n'y avait pas grand monde dans les trains. On est arrivé à Genève, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait? On allait, ah bah oui, on allait voir le jet. On allait voir le jet. Attention, moi j'avais entendu parler de ça en Suisse. Je pense que c'était le seul truc dont j'avais entendu parler en Suisse. Je suis un youtubeur québécois qui était allé en Suisse et qui, genre, il en a fait un vlog et la moitié du vlog c'était le jet. Du coup, on a vu, c'est un grand jet d'eau de 200 mètres de hauteur qui va, enfin, qui, c'est juste un jet d'eau en fait. Il n'y a rien de spécial, c'est juste que c'est un énorme jet d'eau. Donc on est allé le voir, c'était le jet de Genève. Ensuite, on a fait les magasins, vite fait. Enfin on n'a rien acheté, juste histoire d'être au chaud. On a fait la grande rue de Genève quand même, enfin la grande rue, je sais pas, elle a un nom particulier? Aucune idée, il y a l'Apple Store et la Fnac. Voilà, là où il y a l'Apple Store et la Fnac, donc on est allé à la Fnac et à l'Apple Store. L'Apple Store où d'ailleurs les murs et le sol étaient en matière de Mac. Du coup on a l'impression d'être dans un Mac, enfin bref, c'était un truc très statique d'ailleurs, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Ben ensuite on a pris le train je pense, non, on est allé, bon on s'est posé à Starbucks parce que voilà, je me suis pris un mug qui est bien placé, n'est-ce pas? Je me suis pris un mug, Wilson. J'ai fait ma touriste, Wilson, vois-tu? J'ai fait la touriste de base. Je voudrais commencer une collection de ça. Mais vu, bon déjà, bon c'est le prix suisse je pense, parce que ça coûtait 20 balles quand même. J'ai hésité, mais il est beau. C'est un mug Starbucks où il y a marqué Switzerland dessus. Et il y a donc des... Edelweiss, voilà, c'est la fleur officielle de Suisse. Nous c'est le lys. Et eux c'est Edelweiss. Bon Wilson, t'as fini de monter sur le lit. Tu nous... voilà, tu me laisses tranquille. Voilà. Donc... je me suis pris ça à Starbucks, on s'est posé 2 minutes. Ensuite, donc on a pris le train. Assistantas, voilà, mets-le sur le lit. Ensuite, on a pris le train pour rentrer en France. Il était 17h, j'avais l'impression qu'il était 1h du matin. Tellement il faisait nuit, on s'est endormi dans le train comme des merdes parce que voilà, il y avait un mec à côté de nous. Enfin, il arrêtait pas de dire qu'il allait tuer toute la famille de quelqu'un. J'avais vraiment pas envie d'être ce mec-là. Mais genre, pendant une demi-heure, le mec au téléphone il était là, je vais lui tuer sa mère, je vais lui niquer sa grand-mère, je vais lui tuer tout le monde. Ok, donc très 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 joyeux du coup. Et il a raccroché son téléphone et. Comment dire, il essayait de regarder un petit peu autour et il était toujours en mode vénère, genre. Et du coup il essayait de me regarder et tout, donc moi j'étais là en mode non, ah le plafond, c'est pas mal là-bas alors qu'il faisait nuit noire. Bref, on est arrivé le jour de la fête des lumières à Lyon, du coup qui commence aujourd'hui, qui dure 2 jours. Donc on est arrivé en pleine soirée, ça va, ça avait pas encore vraiment commencé je pense, parce qu'il y avait pas encore masse monde dans le centre-ville. C'était quand même pas mal bien éclairé, c'était quand même pas mal éclairé. C'était pas mal franchement, mais je pense qu'on en verra plus dans les jours à venir. Donc on est rentré, j'ai retrouvé les chiens-chiens. Il est très content. Les chiens-chiens. Salut. Oui, c'est... oui, bah oui, bah oui. Il est là. Oh bah oui. Oh bah oui. Ah, c'est qui les chiens-chiens? Ah bah oui. Alors tu mords l'appareil. On t'a manqué. On a retrouvé le chien-chien.
J'ai reçu à peu près 150 boîtes. Bon non, en tout j'ai 5 boîtes à ouvrir. J'ai du coup, attends, je les ai mis là. J'ai quand même, donc j'ai la Loot Pets, la truc que je vous ai montré de J.K. Rowling. J'ai la Loot Crate en dessous qui est plus grande. Et j'ai 2 box de bière. Wilson, tu caches les box de bière. Ah, là, enfin vous voyez un bout de la box de bière. J'ai 2 box de bière à ouvrir et à boire pendant une vidéo, ça peut être sympathique. Faut que je trouve des idées pour ça, donc j'ai genre 5 vidéos à tourner demain si je peux. Demain, du coup, je me fais écraser par le chien. Demain, il y a deux de mes meilleurs amis qui arrivent. Il y a donc Bastien, alias Babeu, le belge, dont j'ai déjà parlé, que vous devez sûrement connaître, qui arrive à 10h30, suivi de Galas, le... Alors lui, il vient d'un patelin paumé, donc c'est le français tout court, des patelins paumés, qui arrive à 17h30. Entre deux, il faut que j'aille à la poste, parce que j'ai reçu 4 avis de passage pour tous mes cadeaux de Noël. Donc il faut que j'aille à la poste et à UPS, parce que bien entendu, UPS, ils ont pas la même poste que la poste, parce que sinon, c'est pas drôle. Il faut faire les courses, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à la maison, oui, ça. Il n'y a plus rien, tout a été mangé. Et le soir même, donc on verra comment je fais, parce que j'aimerais bien stream, mais il y a aussi la fête des lumières. Et la fête des lumières, c'est... Je sais qu'on la fera pas après-demain, donc tant qu'à faire, je sais pas. On verra. Je m'en rends pas compte un petit peu. Enfin, je pense que c'est à Confluence que ça va être, que tout le monde va regarder tout ça. Et je pense que ça résume à peu près tout. Voilà. Faudra Wilson. Wilson est ravi. Wilson est ravi. Bah oui, t'es content. C'est né cotin quand ça rentrait, bah oui. Donc demain on va être plusieurs, on va être encore plus de gens, ça va être superbe. Je vais vous présenter plus d'amis à moi. Parce que vous commencez à en avoir marre du blond, hein. Hein. Bah oui, il n'y a que toi. Bah oui, ils en ont marre de moi. Bah ouais, attends, force, voilà. Bah ouais. Autant qu'il y ait d'autres personnes. Diversifiant un petit peu, arrête de lécher la main toi. Oh, il est énorme ce chien. Il est vraiment énorme. Oui. Bon, sur ce, nous, enfin moi je vais du coup monter le vlog. Non. Non mais attends, t'as perdu les bonnes habitudes. Moi je vais du coup monter le vlog pour la fin de la soirée. Et de... Non mais t'as vraiment perdu les bonnes habitudes en 4 jours toi. Attention hein. Attention. L'éducation. L'éducation de ces chiens. Et demain donc on vous retrouve je pense pour une journée bien mouvementée. Même si elle ne sera pas... Enfin, mouvementé en événement extraordinaire, on va aller principalement à la gare et à la poste. Mais attention, peut-être que. Mais t'as fini un peu. Peut-être que le soir, du coup, il y aura des choses intéressantes. De toute façon, je prévois pas tout à la seconde près parce que sinon on s'en sort plus. Sinon on s'en sort plus. Donc bon retour en France, rebonjour de Wilson et je vous dis à demain. Au revoir. Allez, dis bonjour. Bah oui. Oui. La meilleure tête. Ah oh, bah oui. Oh il sourit. Oh bah oui tu souris pour la caméra. Wilson. Wilson, prends les mains. Wilson. Prends les mains. Wilson. Prends les mains.